Un homme, rejeté par sa famille, erre entre ciel et sable, esselé sur les dunes. Comme pour tout homme, la mort l'attend à coup sûr. Mais entre-temps, il est sans amour, sans eau et sans nourriture. Il marche vers l'horizon aride, chaud et vide. Il a faim et soif, il est meurtri, et ce monde lui paraît hostile et absurde. Quand passe une caravane qui lui offre le nécessaire, il n'est pas comblé. Au contraire, il voit des enfants vigoureux, bien nantis, joyeux, aimés par leurs parents unis. La faim et la soif reviennent alors. Il erre toujours, avec le vide atroce devant et en lui. Une fois descendu au fond d'un ravin, il rencontre un vagabond pauvre et blessé, dont les plaies sont nombreuses et le visage ensanglanté. Le vagabond lui dit d'une voix faible et raillée « J'ai soif ». L'homme répond tout aussi faible « Moi aussi, monsieur, j'ai soif, mais je n'ai même pas d'eau pour moi ». L'étranger reprend « Porte-moi sur ton dos et je te montrerai la source intarissable ». Étonné par la demande, mais sans hésiter, l'homme lui rend ce service. Étrangement, son corps est léger. Le vagabond a le poids d'un enfant. Après un court voyage, ils arrivent à la source au fond du ravin aride. L'homme le dépose délicatement devant la source qui jaillit d'une pierre sur le flanc de la montagne. Tout à coup, le vagabond entre dans l'eau pure et disparaît. L'homme se met à boire cette eau qui comble sa soif, mais aussi et surtout son besoin d'être aimé. Il sent que cet homme, toujours présent quoique invisible, est son seul ami au monde, et que personne ne pourrait l'aimer comme lui. Personne. « Vous ne buvez pas, monsieur ?» lui demande l'homme abreuvé. « N'aviez-vous pas soif aussi ?» Dans le ravin aride et dépouillé où seule cette source jaillit, la voix du vagabond résonne. « L'eau que je bois, c'est l'amour de ton cœur. Et tant que tu m'aimeras, ma soif sera étanche. Et tant que tu boiras à ma source, ta soif sera étanche. » Tel est Jésus-Christ. Quand on l'aime, on étanche sa soif et il comble la nôtre. Mais quand on ne l'aime pas, il souffre, il saigne, il s'efface, il nous laisse à nous-mêmes. Puis, en nous menant là où l'homme n'a rien, il se révèle pour qu'on le trouve, qu'on le suive, qu'on l'aime et pour qu'on vive.